ils ont ajouté, il n'y a pas de travail, c'est la nuit, la nuit. T'as joué, qui c'est Mabou, qui c'est Kadé Roussel, qui c'est ça, mais pas important. Ok. Avec le double clutch and beat, Johnny McCaffrey. Okay. Et c'est tout partout dans les articles. C'est bien sûr, c'est ici. C'est ici, ils sont arrivés ici. Oui, il n'y a pas de monde qui connaît ça. Et les cocktails ici, c'est différent de Nouvelle-Orléans. Les nations africaines, c'est Congo, Angola, c'est la majorité. Ici, c'est Sénégal, c'est Congo et Angola quand même. Mais le Wolof du Sénégal et Gambia, ça c'est un petit peu de la... petite majorité okay. de toutes les nations d'Afrique. Mais ne pas des monde ici qui parlait des nations d'Afrique. Ça, c'est pas Cap Vert, Martinique, oui, Guillaume. Oui. Non, ne pas connaître ça. Non. Et ils ont quoi? Si vous pas connaître la vérité pour les musiciens qui jouaient la musique française, Cajun et les Noirs haricots, c'est une défi, non? Ce n'est pas des esclaves créoles. Les esclaves créoles, ils ont changé tout. Et toute la musique ici, c'est créole noir. De temps en temps, on a écouté, on a joué une mélodie de Acadie ou une influence, mais vous êtes bien et tous les danses tout partout et jouer, bon, et jouer tout partout. Le monde, c'est le créole, wow, ça c'est... Ah, la musique, c'est eux autres. Oui, c'est beaucoup dans la musique cajun, une grande influence, et il y a un sarico, c'est un créole, c'est un langue créole, hein? Et anglais, mais c'est un créole, la langue créole, ça c'est des esclaves, et 1726, il y a 2000 Africains, esclaves africains qui arrivaient ici en Louisiane et en 1732, ils ont la majorité. Et la population, c'est gros. En Appalachie, c'est aujourd'hui, c'est